Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai plus trop envie, mais je vais quand même continuer à ouvrir des boosters. Du coup, j'ai eu des nouvelles cartes aussi à mes amis, j'ai fait des échanges avec mes amis. Du coup, ça m'a permis d'avoir des nouvelles cartes. Donc, je vais vous présenter déjà mes grandes cartes que j'ai eues. Donc, ça, c'est mon ami qui me l'a offert. C'est un Crocoryblex, il est un peu endommagé, mais c'est quand même cool. En plus, je l'avais pas. Ensuite, ça, c'est un autre ami, il m'a donné Victini holographique en grande carte. Ça aussi, c'est encore ultra cool. Bah aussi, j'ai essayé de faire un fond avec plein de cartes, parce que mon bureau, c'est un bureau bleu, donc dès que mes parents ils ont vu mes vidéos, ils ont dit que ça fait un peu mal aux yeux, du coup, j'ai essayé de d'un peu changer. Là, c'est Turtok X dans le coffret que j'ai ouvert. J'ai préféré le Dracaufeu, hein. Claire, non, le Turtank, puisque le Dracaufeu est trop simple par rapport au Turtank où il y a un Léviator et un Aqualie derrière, que je trouve magnifique. Qui est d'ailleurs Turtank est un de mes Pokémon préférés. Ensuite, là, il y a plein de cartes que j'ai eues. Oups, là, je vous ai un peu spoilé une carte. On va commencer par cela. Ça, c'est toutes les cartes que j'ai eues dans mon coffret. Donc, j'ai eu Voltali dans mon coffret de génération avec la grande carte Turtank X. Donc, j'ai eu ce Voltali X, Pyroli X. Et j'ai eu. Non, ça, c'est une carte que j'avais, mais c'est une carte que j'avais déjà, mais je voulais la montrer pour vous montrer que j'ai quand même 3 X de la série. C'est déjà cool. Et Melofey avec le petit signe Pikachu des 20 ans de Pokémon. Ensuite, il y a la Turtank, elle, j'ai eu le temps de la mettre sous top loader. Ensuite, j'ai l'échange. L'échange avec mon pote, c'était ces cartes-là. Voilà, donc. Il y avait Junko X Full Art, Lagron X promo, Amphinobi X promo et Mega Mewtwo X. Donc ces cartes, je les avais pas. Donc je l'ai changé contre que des X promo. Donc 5 X promo, dont 3 anglaises. Les 3 anglaises, c'était je ne sais plus lesquelles, mais en tout cas, ça lui a fait plaisir. Et ensuite, je l'ai changé toute avec ça. Parce que pour moi, ça valait pas trop. Du coup, je lui ai donné toutes mes promos que j'avais dans mon coffret, dans mes coffrets Oupa et Pikachu. C'était les Full Art. Du coup, je lui ai mis tout ça. Du coup, ça, j'ai calculé un peu le prix, puisque je connais un peu les prix. Et du coup, ça faisait un échange. Lui, en gros, ça fait 70 euros. Et moi, ça faisait 90 euros. Mais à la fin, je m'en foutais un peu. Du coup, voilà, ça complète un peu. Et en plus, maintenant, j'ai mes trois Pokémon préférés en X. Turtank X, Lagron X et Amphinobi X. Du coup, il est pas mal cet échange. En plus, surtout pour la Junko X. Surtout que j'ai perdu. Comment ça s'appelle Comment elle s'appelle Primo Kyogre, Primo Groudon et Mewtwo X Full Art que j'ai perdu. Donc c'était mes trois cartes préférées à l'époque. Mais bon, malgré tout ça, j'ai regagné des cartes. Et il me reste une carte à vous montrer. Alors là, c'était une promo qui avait à Télé de Rose. Donc c'était deux livres Pokémon. Donc c'était. Du coup, j'ai pris le cahier Point Furieux avec le cahier Étincelle. Et du coup, ça m'a. Il y avait deux boosters avec. C'était un booster Point Furieux et un booster XY. Du coup, je l'ai acheté. J'étais tellement pressée de l'ouvrir que j'ai eu dans les boosters Mega Lucario X Secrète. J'étais trop contente. J'ai dit à ma mère, c'est la meilleure carte de la série. Du coup, voilà. Voilà pour cette vidéo.
Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter mes nouvelles cartes. Je vais essayer d'avoir des boosters encore. Ça va être dur puisque là, je vais partir en vacances. Donc, ah oui, avec mon papy, on va faire des brocantes. Du coup, je pense que ça va. Je vais avoir des nouvelles cartes. Là, je vais essayer de prendre une photo pour la miniature. Du coup, ça va. Je vais avoir des nouvelles cartes, donc ça va être cool. Donc je vais vous refaire une vidéo brocante, hein. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de recommencer à faire des vidéos. Et à la prochaine pour une ouverture de booster ou pour les brocantes. Ciao!